fille ne nous fera jamais cadeau. Moi, j'aime toujours citer un des versets que l'apôtre Paul nous a écrit dans la Bible. Il dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit. Et c'est ce qui m'amène toujours à vous dire, mes frères et sœurs, ce que les années l'ombre et pésame la patrouille au fêlé, ce n'est que la vie éternelle. Le reste, mon frère, prend tes responsabilités. Le reste n'attend rien et alors rien de gratuit. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Au Fandi, le Saint-Esprit là pour nous accompagner. Au Fandi, pour raisonner sur ta vie. Je te dis non. David a dit non, je ne mourrai pas. C'est des décisions qu'on doit prendre. Que Nanyo Kwame Mingi, ça doit s'arrêter. J'ai dit une fois à ma femme, j'ai dit, ma kama ma koule sidi. Nana géré que t'es le côté ressources. Moi, je gère les décisions. Ce que vous avez la kambongo, pourquoi vous avez la décision? Non, tant pis, ton ignorance va te tuer. Il faut comprendre comment fonctionne le monde des esprits. Le monde des esprits fonctionne que dans ma décision. Il y a des anges qui sont au ciel qui n'attendent que tes décisions. La puissance, ça se libère par les décisions. Tu peux être puissant au superlatif. Mais tant que tu ne sais pas prendre les décisions, la puissance ne va pas rentrer là-dessus. Ta situation n'a fait que trop durer. Il va falloir qu'un jour, tu te lèves, tu dises non, ça doit s'arrêter. Dieu, il a créé tout homme libre, c'est-à-dire doté du libre arbitre. Et Dieu, il respecte ce pouvoir-là. Tu peux l'orienter dans un sens ou dans un autre, Dieu ne viendra pas obliger les choses. Misère, Dieu ne viendra pas te surprendre avec la richesse. Et malheureusement, c'est le choix que beaucoup de gens font. Moi, j'ai dit, ça s'arrête, l'histoire Yamakou. Et ça s'est arrêté. Un bonjour, j'ai pris la décision. Je prends l'argent. Je pars. Mais il ne bouffera plus mon argent. La paix. Mon anéléki. L'autre moi, je prends. Je dis Yassou Kesa Oyo. Mais après, à côté à mon raison. Même pas matin, je lui ai dit, ça s'arrête. À qu'est-ce que c'est un problème de décision. C'est un problème de décision. Les choses ne vont pas bouger d'elles-mêmes. Parce que ce que Dieu nous a donné gratuitement, en quelque sorte, et là encore même, il ne nous oblige pas. S'agissant de la vie éternelle, il respecte toujours le libre arbitre de tout à chacun. Les uns, ils ont opté pour l'enfer. Ils les laissent faire. Au moment opportun, a-t-il dit Pébago, l'alifié. Mais pourtant, à la base, le Seigneur pour tout le monde, c'est que Dieu n'oblige pas quelqu'un. Gratuitement, la vie éternelle. Le reste, c'est toi qui fous. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Que ma cambo il faut ici. Ah non, il peut ici la dissousse. Oh, il peut ici la dissousse. On est dans la même situation.